Bonjour à tous, c'est Mithy Dakar. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les jeux Westland. Donc, ça faisait quelque temps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui, on va dans le camp des Hors-la-Loi qui se situe en zone de neige. Donc là, je vous ai mis la vidéo en accéléré. Voilà, c'est pour qu'elle soit pas trop longue, puisque les vidéos un peu trop longues, voilà, c'est lassant. Alors du coup, on va tuer tout ce petit monde. Donc là, la tenue de neige est obligatoire. Sinon, votre personnage a froid et il n'avance plus. Là, on est un peu en période de nuit. Mais sachez que le Wendigo ne vient pas ici. Puisque j'ai pris une lampe torche au cas où. Et finalement, voilà, il vient pas là. Donc là, on va tuer tout ce petit monde. Au niveau du loot, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler, vous allez voir ce qu'il y a dans les coffres. La zone est assez rapide à faire, donc la dernière fois quand j'ai fait le camp dehors la loi, un peu plus bas, en zone normale on va dire, je me posais la question si cette zone est refresh ou non, et finalement elle ne refresh pas. Donc une fois que vous l'avez faite une fois, voilà, pour l'instant elle repop pas de nouveau avec tout à l'intérieur. Donc là j'ai pris des armes à feu parce que j'en utilise jamais, je me suis dit c'était sympa de voir ce que ça donnait. Donc ça c'est un petit pompe, plutôt sympa au niveau des dégâts. Donc au niveau du jeu Westland, pour l'instant c'est vrai qu'il stagne un petit peu puisqu'on est en attente de mise à jour. Les prochaines mises à jour ça va être sympa. Sachez que quand vous vous connectez, vous avez des cadeaux quotidiens en fait. Et en fin de tableau, parce que c'est un grand tableau, je crois que ça dure 30 jours, tout dans le genre. Hein. En fin de tableau, vous avez un coffre-fort, item qu'on ne peut pas avoir pour l'instant dans le jeu, hormis par ce biais-là, donc c'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez, le loot voilà, c'est le même à peu près que dans l'autre camp. J'ai pas pris la roue de charrette puisque moi il me manque juste les deux barres là, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Il me manque juste ça pour la finir et pour l'instant elle n'est pas dispo dans le jeu. Donc au niveau de ce jeu là, moi j'avoue que j'aime bien même si ça stagne un petit peu pour l'instant, on attend les prochaines mages. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos ou non. Voilà, moi en tout cas j'aime bien faire de temps en temps parce que j'apprécie ce jeu. Je pourrais par exemple, si vous le souhaitez, faire des vidéos sur pour les débutants, voilà, savoir comment farmer, savoir quel type de loot prendre dans les débuts, comment construire sa base, etc. Dites-moi ce qui vous intéresse, parce que ça m'intéresse aussi. Et puis moi je vous en ferai une dessus. Voilà, quant à, rassurez-vous, j'abandonne pas l'ASDE, simplement j'ai moins le temps de faire de vidéos puisque je suis en vacances. Donc je vous sortirai une vidéo sur l'ASDE demain, je pense. Allez, on continue. Donc là, le glycérol, je l'ai pris puisque c'est important. Je vais prendre par la suite le reste. Je vais faire des allers-retours puisque mon sac sera trop petit. Là, je vous montre juste ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, les coffres. Pour que vous sachiez à quoi vous attendre, vous organiser en fonction des besoins. Là, j'ai pris le tissu bleu puisque voilà, je ne le crafte pas. D'ailleurs, je n'ai pas monté l'établi pour le tissu. Je le récupère uniquement en farm. Ma base a un peu évolué, donc je vous la montrerai dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. J'ai réussi à crafter des murs level 3, donc petit à petit je commence à avoir une petite maison en pierre vachement sympa. Donc voilà, et vous dites-moi dans les commentaires aussi où vous en êtes, hein, parce que c'est sympa de partager, d'échanger sur une passion commune. Allez, on se dirige de ce côté-là, puisque au départ j'avais pas vu qu'il y avait encore des types ici. Allez, on ouvre, donc vous voyez, on trouve quelques minerais, on trouve de la nourriture, du soin, donc je le prends pas parce que j'en ai masse à la base, des vêtements, là il y a des fers à cheval, voilà, qui ne sont pas utiles par la suite une fois que vous avez crafté l'écurie, hein, vous n'en avez plus besoin. Le marchand m'en a jamais demandé non plus, et ce qui est bien au niveau du marchand, c'est que vous pouvez donc avoir des armes, mais vous pouvez aussi avoir des tenues, etc. Donc le marchand, lui, il prend voilà, des montres à gousset, des montres, des dents de loup, un peu de tout en fait. Donc du coup, gardez bien un petit stock de chaque item dans votre base. Parce que je sais que pour l'instant, voilà, on se dit ça sert pas à grand chose, mais par la suite, les devs du jeu
On dit qu'il fallait bien garder tout ce qu'on trouve puisque ça pourrait nous servir. Le jeu est en bêta, il a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, gardez bien tout ce que vous pouvez trouver. Et il ne faut pas oublier que c'est un jeu de survie. Donc chaque chose est utile. Donc prenez-les, stockez-les comme vous pouvez. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a un nombre maximum de coffres. Mais stockez un maximum de choses qui pourront vous servir donc par la suite. Donc là, on finit vite fait ce petit camp-là. Allez, là-haut, j'avais pas été voir. Voilà. Mais on va le buter au pompe. J'aime bien le pompe, hein, quand même. Hein. C'est super sympa. Par contre, les armes s'usent très vite, je trouve, comparé aux armes de corps à corps. On va prendre la veste, puisque pareil, je ne fais pas de vêtements. Je les prends uniquement sur les cadavres, puisque là, sur ce coup-là, je suis une crevarde. Et je ne les fabrique pas. Je trouve que ça ne sert à rien. Je préfère me concentrer sur ma base et la up petit à petit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.